Et belle à toute la Gatsy, ce n'est pas Shiny Interlux, c'est un autre message bien meilleur. Eresesio, bien à vous, mes chers enfants. Vestigion. Alors, qu'est-ce que tu aimes dire, toi? Je voulais dire, faire une blague, mais je me rappelle plus comment. Rocketman, là. Bon, je sais plus comment il s'appelle. Alors, comment ça? Tu as battu la championne? Oh, tes Pokémon sont bien plus forts qu'avant! Enfin, c'est mon impression. Ah, vestigion. Ok, donc ça ne déclenche pas Cynthia. Qu'est-ce que t'as, toi? Tu veux te battre? Tu as vu notre immeuble? La type Galaxie est si riche qu'elle peut bâtir ce genre de bâtiment en claquant ses doigts. Moi aussi, je vais être de droite. Oh. Qui êtes-vous? On n'est pas en hiver, madame. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'ai encore cru que tu assistes au professeur Sor que tu assistes au professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Alexis, enchanté. Je ne dirai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia, je suis dresseuse comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici à Vestigion, on trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit le mythe, c'était un Pokémon d'une puissance incommensurable. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. J'ai un cadeau pour toi, ça devrait être utile. Vous obtenez la 7T93 coupe. La capacité secrète de coupe permet de couper les arbres fins qui bloquent le passage. Utilise coupe avec ta Pokémon pour accéder à des endroits autrement inaccessibles. Ça pourra te servir pour remplir ton Pokédex. Que la chance t'accompagne, jeune dresseuse. Que la force soit avec toi. Ok, mais d'abord, on va aller où? On va aller ailleurs. Parce que là, il y a le manoir Pokémon. Et le manoir Pokémon, il y a moyen de faire des trucs stylés. Alors, à mesure où. Ben non, les insertions, c'est forcément la fin du jeu, donc. C'est quoi ça? Ah, c'est une fleur. Explorons l'étage. Oula. Fantominus. Un fantôme si sauvage apparaît. Oh, le décor! Vous prenez la fuite. Je m'excuse! Non! Mais là, oui, il a repoussé dès que je suis passé, quoi. Bonjour. Soignez, Pokémon. Allez, allons explorer ce magnifique manoir hanté. C'est là. C'est n'importe quoi, hein. Ce système de Queenotor là, je l'apprécie pas. Hein. Parce que c'est vraiment soit. Enfin, ça t'éloigne complètement du RP quoi. Genre. Ouais, bon, j'avais mis un Pokémon. C'est le 7ème, allez, c'est le 7ème. Le C-Esclave est littéralement canonisé quoi.
Bam bam bam. Bam nam nam. Tam nam nam. Vous trouvez un vieux gâteau. Le gâteau. La plaque ombre. Quand l'univers fut créé, ses fragments formèrent cette plaque. Vous rangez la plaque ombre dans la poche objet. C'est vraiment un lieu qui a une ambiance, quoi, surtout dans Diamant Perle, quoi. Cette vision de sensations étranges, comme si elle vous regardait. Bref. Bon, visiblement pas. Voilà, c'est quoi ça? Ça a été ça dans le jeu de base. What the fuck? Fantominus. Très mal animé comme à chaque fois. Clonage. Bon, non, on peut pas l'attaquer, mais bon. Je suis terrifié. Mais cessez! Cessez toute activité! Oh, ils ont chié dans toute la pièce! Un antidote.
Oh mais non, quel connard. Oh putain, en plus il m'a fait regard noir quoi. Et ben voilà. Pa 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 pa. Alors. Il y a certains Pokémon qui sont dans la position de Diamant Perle, mais pas tous. Alors pourquoi ne me demandez pas? Oh, la mystérieuse statue. Il y a une inscription sur la statue du Pokémon. À sa naissance, Dia nous a octroyé le temps. Que l'on rit ou que l'on pleure, c'est le même temps qui s'écoule. Tout ceci grâce à Dial. Certaines lettres sont pratiquement effacées. C'est un Dialga. Ok. Ok. Cool, mais ok. Arrêtez les galaxies, ok. Et qui vous? Les décisions ont été bâties il y a longtemps en l'honneur des Pokémon immortels. Ok. Ah, c'est à chier. Ah, mais ça dit, il y a 5% de Bonita. Ah non, de nuit. Attends, deux jours. 15. Bonita. C'est mieux quoi, Bonita ou Galopa à 40?
C'est le meilleur Ponyta quand même. Hein. Bon, après, Debolos, il apprend quand même des trucs plus variés. Lance-flamme, mâchouille, machination, feu d'enfer, tricherie. Oh, bah j'ai résolu un objet. Objet à remettre dans le sac. Bam bam bam. Ok. Oh, Corillon. Le premier chêne que j'ai eu. Par hasard, sur Xeric. Putain, mais c'est pas possible. Méditica. Trouvons notre Ponyta. Et partons. Mais je n'ai que faire de votre Méditica. C'est pas possible, attends. C'est sûr qu'il est là? Mais non, c'est pas la bonne route. Bah oui. Mais pourtant, il y est aussi, hein. Il y a 10%. Putain, il y a 35 Connoteurs, 35 Méditica. Ensuite, c'est 10, 10, 10 Corillon, Ponyta et Rakaillou. Tu te fous de moi. Ponyta. Ponyta. Où est le petit Ponyta? Ah! Comment oses-tu? Comment oses-tu? On ira faire plein en magasin aussi. Hein. Balabala balababa. Thank you.
Tiens, ils l'ont mis de travers comme ça parce que Peeta tourne la tête vers nous. Mais bon, là, ils ont pas fait l'animation parce que ils ont. Vous avez la flemme. Cœur dans l'équipe. Ok. Putain, ça sent qu'il y a eu une intention, mais que le jeu. Il aurait fallu. Un peu plus de temps, quoi. 2-3 mois, quoi. Histoire que tout tourne correctement. Bon, déjà, ça ressemble plus à ce que je voulais comme équipe, c'est déjà bien. Achetons les Pokéballs. 20 Pokéballs, nous offrons 2 honneurs. Ah, ça va, c'est pas des rats. C'est pas des rats. Vendre. Fais fermer là. Vendez tout. Poursuivant. On fera un petit tour d'explorer à quitte après. Voilà, allons au repère galaxie. Ah, comment on y va déjà? Comment on y va? Non, pas là, mais là. Larsin. Fantastique. Bah. Nous rassemblons des Pokémon en vue d'une opération spectaculaire. Nous ne tolérons pas que quiconque s'oppose à nous. Deuxièmement, Chouette Galaxy n'accepte pas les enfants. Alors, on se débarrasse d'une espèce de petit. Non, étincelle. Merde, bah non. Bah, c'est bien. Balabala. Oui, niveau 13 le Ponyta, oula, on l'a pas vu. Oscar, ah, bordel. Il est même pas animé quand il crève, lui. Choc venin.
On va remettre des molosses. Il a washé les potes. Allez, morsure. Hein. On connaît le jeu. Hein. On est devenu très puissant comme l'avait prédit l'empereur. Et là tu m'attaques pas toi? La type des cheveux bleus quoi. Et tous regardent la même chose sur leur PC quoi, c'est... Ah mais attends, me dérange pas, tu comprends vraiment, c'est Squid Game que je regarde. Armelis. Oh là là, les yeux de Boscara, bordel. C'est honteux, hein. Franchement c'est honteux de voir ça en 2021. Suivant l'autre chemin. Montée de niveau de Boscara. Je crois qu'il est il évolue au niveau 32, non? Ok, d'accord. Tiens les pattes. Ce Boscara, il aura fait que bouffer. Oh, une élixir. Armelis. Qu'est-ce que je voulais faire? Au final, ça va soigner. Il utilise armure, merde! Bam 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 bam. Ouah, élixir max en plus, oh, putain mais c'est bien ça. Oula. Notre mission est de mener à bien nos expériences sans poser de questions. Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial. Ah, le fameux nouvel ordre mondial prédit par... on trouve pas... Un Sora, une personne. Nico, le scientifique, envoie un cadavre. Télékinésie. Eh ben, je crois que ton nouvel ordre mondial va déjà échouer. Oh, la gueule qu'il a, on dirait Michael Jackson. C'était Michael Jackson, le scientifique. Wouhou! Putain, mais... Putain, la Team Galaxy, quoi. Et...
Attendez, je me permets. Hein. Bonjour. C'est quoi le problème à mon World Team Galaxy? Pourquoi ils enlèvent nos Pokémon? Qu'est-ce qu'ils ont à la tête? Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Ah, question idiote, tu veux libérer le Pokémon? Hein? Tu peux toujours rêver. Tu n'as pas de plus d'accent très restreinte. Jupiter, au gros Nibar veut se battre. Allez, go! Mi-short, mi-pantalon. Hein. Je savais pas quoi faire, je savais pas quoi mettre. Bah, sinon, l'environnement c'est très chaud-froid. Ah, je me ferai pas avoir. Non! Ça n'affecte pas Boscara. Quelle insolence! Mais si Boscara est confus, là, il s'est blessé dans sa confusion. Mais non, il s'est encore blessé, putain, mais le taux de blessage, il est. Mais c'est un truc de taré. Oh putain, il a fait regard noir ce bâtard. Il utilise morsure. Regard noir, bien sûr. Jupiter envoie un Mouflair. Changer le Pokémon. On va envoyer. Je sais pas de quel type il est, lui, donc. Quoi, poison? Je sais pas quoi est faible du poison, moi. Oh, on va envoyer Cornève, hein, il fait le taf. Hein. Ouais. Allez, let's go! Mouflair! Utilise Rapace! Putain merde, la Bécitrus! Lance flamme! Oh! Buée noire! Oh non, putain! Poison, c'est faible à quoi? Essayons le psy, je sais pas. J'en ai aucune idée, moi. Désolé, ma table des types, je connais pas. Allez! Utilise. Je sais pas ce que ça fait ces attaques. Psycho, allez! Ça n'affecte pas Moufla, c'est l'inverse! Ok! C'est pas grave, c'est pas grave! C'est l'inverse, ok! On va y arriver! Hey, hey. Ça fait quoi ça, le lien du destin? Si un Pokémon porte un coup fatal au lanceur après qu'il ait activé cette kata, tu les deux sont mis KO. Au pire, c'est qu'à l'oreille crève, hein, ce pauvre. Mais vous ne pouvez pas attaquer ce con. Aboiement. Oh, cadabra, désolé. Pas chier dessus. J'aurais dû faire froid de frais, Zebra. Gaz toxique. Merde. Utilise en flamme. Étincelle. Bon, il va utiliser un soin. Même pas. Boom final de Mouflair. Quand Mouflair a un boom final. Oh bravo, vous avez battu Jupiter. Merde contre un vin, ma négligence me coûte cher.
vous remportez 1840 Pokédor. Mais qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue de Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous n'avons plus grand chose à faire ici. Mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon et grâce au pouvoir de Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler Sinnoh. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la team Galaxy. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je n'ai rien à faire. Grâce à toi, j'ai récupéré mon Mélofée. Allez. Le Mélofée vient de l'espace, ils nous ont fou. Allez, on s'en fout, donne-moi le vélo. Ouais. On a construit un bâtiment entier pour s'enfuir dès qu'un enfant a foutu le merdier. Bah. Pourtant, on avait tout fait comme il faut, on avait mis des arbres qui. Voilà, des seuls coups pouvaient les détruire. Voilà, il fallait juste enjamber l'ail, mais personne n'en a eu l'idée jusqu'à présent. Comment voulez-vous qu'on devine aussi? Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ok, let's go! Allons chercher la bécane. De quel vélo? De quelle couleur tu veux ton vélo? Bleu turquoise. Merci de m'avoir sauvé. J'aimerais t'offrir une bicyclette en gage de ma gratitude. Je suis 4'14 chauve. Est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît? Alors, nous avons deux modèles de vélo, le modèle masculin et le modèle féminin. Bien sûr, tu n'as pas le choix. Moi, c'est ce que tu veux. Non! J'ai cliqué sur le bleu! C'est bien ça? Non, ok. Jaune. Blablabla. Allez, let's go, le jaune. Vous obtenez la bicyclette. Si tu veux changer de couleur, viens nous voir plus tard, j'imagine. Appuie sur B pour changer de vitesse. En troisième vitesse, la bicyclette n'est pas très rapide, mais elle est plus facile à manier. En quatrième vitesse, elle va très vite et permet de gravir des pentes impraticables autrement. Mais comment ça, quatre vitesses? Bicyclette, wow, un énorme pop-up. Pour monter en selle, allez dans la poche objet rare de votre sac et sélectionnez la bicyclette. Vous pouvez changer de vitesse pour accélérer en appuyant sur B. Ok. Oula, 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 c'est horrible. Ce chier. Sac. Favori. Favori. Oh. Ok, d'accord. Bon, bah... Oh, c'est ignoble. Oh là, le changement d'air! Oh là là, l'enchaînement, c'est 17h00. Au cas où si personne n'avait compris. Bon, alors, bicyclette... Voilà. Allez, Vasily. Vasily, c'est pas tes noms, ça. Il envoie Étourvol. Oh, ma tenue. Intimidation, Étourvol. Par contre, comment on fait pour faire sortir les Pokémon? Il faut mettre une capsule ou pas? Dis-moi-le.
Oh, je suis swag. Oh, toi non. Tu oses me défier. Allez. Attends. Assigner un Pokémon. Cool, les sauts. Allez. Voyons voir ce qu'il en est. Panamanama, Verona, la cycliste. Oh, elle est pas mal, hein. Ouais, ça va, elle est bien. Ok, c'est à chier. Morsure. Non, il a statique, lui, non? Non, il a intimidation. Elle a trouvé petit élixir. Ne t'en fais pas, je suis là. Oh, tu m'as épuisé. Ouais, elle me le dit tout. Pam 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 pam. Et la voix Polita. Trop charge. Papa. Allez. Allons soigner notre... Ça sert à quoi de mettre en favori alors? Bah d'ailleurs je vois que ça sert à de... déco capsule, ça sert à rien. Wouah! Comment on fait pour être suivi par son putain de Pokémon? Est-ce que je suis débile ou quoi?
Pourquoi c'est pas sur Y, bordel? Touche Y sert à rien. Lydia, la cycliste. Merde, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est pas grave. On va retourner. Changer de Pokémon. Oh, il a une potion. Eh ben voilà! Pas cher, ils ont de niveau. C'est pas cher, ils ont, c'est vraiment la poubelle de table, quoi. Genre vraiment. Vas-y, je récupère ce que tu jettes! Carl, no, Carl, no. Ah. Qu'est-ce que j'ai entendu? Où est mon téléphone? Le téléphone sonne. Oula, j'ai plus de batterie, moi. Bon, tout le monde a des étourmis, visiblement. Intimidation des tourvoles. Par contre, le décor là, il est absent quoi? C'est quoi cette merde? Donc, le décor là derrière. Mais d'accord! Genre, du gris, c'est pas un décor. C'est le mec. Bon, on a oublié de faire la piste cyclable. Comment qu'on fait? Bah, du gris et du jaune derrière. Bon, bah voilà. Ça aurait mis 15 minutes, quoi. Ah, votre colis était à 8 arrêts. Putain, j'ai bien fait d'aller l'acheter ce matin. Je suis là. Bam bam. Balam balam bam. Imbert. Non, c'est super petit. Coucou. Bam 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 bada bada bada. Delphine la cycliste. Delphine la rookie. Envoie un Ixi. Alors, je vais regarder comme sur JVC comment on fait pour ce. Combien ils ont mis un test? 15 sur 20, lecteur 8.1. Oui, ça c'est bien, ça, ça c'est bien, 8.1. Montrez à Game Freaks leur jeu de merde. Enfin, ça c'est le cas, mais c'est de la merde aussi. Alors, suivi.
Oh putain! Ok. T'as 4 badges, il faut. Torterra le mâchouilleur. Hein. C'était quoi ma team de base? Ouais, bon. Bon, ça, elle est pas suivie. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle a fait derrière? Ok, Kadabra, mon niveau 24. Oh non! Babette! Pikachu! Oh, Pikachu femelle. Comment ça, on a pas ça sur du lui, ça veut dire quoi ça? Ah non, 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 il est statique lui. Ah! Bonjour, il m'a touché, allez. De toute façon, il est mort. Mega, mega! Ok, c'est bon, on va enlever le vélo parce que c'est insupportable. Oh, c'est quoi ces B là? Je sais pas. Bon, en vrai, c'est chiant, allez. Non, Alexis! Ah non, c'est Lucas. Hé, hey, Aris, ton Pokédex avance bien? Moi, tout se passe bien, comme d'habitude, enfin, plus ou moins. Peu importe. J'ai découvert des outils vraiment utiles récemment. Je vais t'en faire profiter, tiens, choisis une main. Bien joué, tu as gagné un ticket à la fusinière. Wow, je cherche combat. Je savais que tu ferais le bon choix, Iris. Je cherche combat. Le cherche combat t'indiquera quels dresseurs veulent à nouveau se battre. En fait, tu as une Pokémon? Évidemment. Qu'est-ce que j'en ai une? Je sais même pas pourquoi je te pose la question. Tiens, voilà une application pour toi. Tu l'as bien mérité. Sauver l'application, c'est un bon moyen. Le radar objet. Vous avez installé une nouvelle application sur votre montre Pokémon. Votre Pokémon. J'essaie vraiment d'utiliser le radar. Ouais. Attends, mais justement. Pour faire évoluer Cornèbre. Oh, Cornèbre. Corbos. Oh, Poképédia, tu t'es endormi? Ah, bref, je te laisse trouver ton Pokédex. Compte sur toi. Allez! D'accord. Wikipédia a craché, d'accord. Bon, allez, c'est bien. C'est moi qui ai craché? Non. Wikipédia a craché. Voilà. Au moment où je. Ok, c'est bon. Wow. Corbos. Quelle lenteur, bordel de merde. Mais offrez-moi la. Non, 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 non. Voilà. Mais c'est quoi ce bug graphique là? Descends, allez. Allons soigner les Pokémon. Oh, la lenteur de Poképédia là, c'est infernal. Pat, 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 pat. Est-ce qu'on peut aller chercher Grignot dès le début? C'est une question que je me pose. Okay. La pierre nuit. L'occasion. On peut trouver cet objet dans le. Dans le QG de Team Galaxy, mais. Attendez. Si
C'est où ça? C'est lequel de QG? Ah non, c'est pas celui-là, d'accord. Ok. Et à la ligue Pokémon, où elle est de la capacité ramassage dans Pokémon Platine, une pierre peut être trouvée dans la grotte revêche, on s'en fout ça. Ou cadeau mystère dans Pokémon Battle Revolution. Ponytail. Comment ça, j'arrive pas à fuir? Prenez la fuite, ok. Bon, en fait, je voulais pas fuir, je voulais l'affronter, mais j'ai spam. Anti-brûle. J'ai pas envie de faire le combat. Écartez-vous, écartez-vous. Grotte des égarés. Faut pas gâcher. Oh, une pépite d'or. Tu as oublié. Vive attaque. Et tu vas prendre flash. Grotte des égarés. Enfin là. Archéomir. On est au bon endroit. Hein. Bon, visiblement, ça a été renommé. Grotte des égarés, ça n'existe pas ça. Grotte. Non, bah la grotte des égarés, c'est la grotte revêche. Bon. Alors, c'est quoi ces grottes revêche moins 1? Bien sûr, j'imagine. Ouais. Ouais. Déjà, est-ce que je suis la bonne? J'en sais rien. J'ai envie de chercher un plan de la grotte revêche parce que franchement, je suis perdu. Grotte revêche! Non merci, je ne veux pas de dessous de plat. Pokébip, on va aller sur Pokébip.
Ok, donc je suis pas du tout au bon endroit. Ok, d'accord, ça a amené là. D'accord, ok, c'est bon. C'est quoi cette grotte horrible là? Merde, pourquoi on peut commencer à me perdre? Ok, c'est bon. Tu oses me défier? Certes. Boscar niveau, monte niveau 29. Quelle horreur! Oh merde, ça me fait chier, c'est bon, allez. Comment on y accède à cette grotte de merde là? Le jeu est en train de se foutre de moi ou quoi? Parce que tu peux pas y aller. Quoi? Attends, on peut pas accéder au rez-de-chaussée. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les choses. Voilà, bon, bah, nique ta grand-mère. On va aller sur la chaîne de Monsieur 414. Et on va chercher sa vidéo de Greek Note. Eh bah, oui, qu'est-ce que vous voulez faire sinon? Ok, Greek Note. Greek Note. Allez là. Oh non, il sort pas de la grotte. Non, oh non. Attends, mais ne me dites pas que. Bon, est-ce que ce truc de merde a chargé la grotte revêche? Grotte cachée. Entrée cachée de la grotte revêche. Le sous-sol de la grotte se situe en dessous de la piste cyclable. Et son entrée est cachée non loin de l'entrée principale. Pour la trouver, il suffit de se positionner devant l'entrée de la grotte principale. Faire quelques pas vers le sud et longer le mur qui borde le pilier de la piste cyclable. Et se faufiler dans ceci. Aussitôt l'entrée passée, les rochers bloquent la voie au joueur. Moi que ceci ne possède cette force. C'est parti pour la... Je suis con, quoi.
Quel jeu de merde. Non! Oh non! Force! Il faut force! Non! Oh putain! Bon. Ils sont fadins, sans déconner. Mais faites des dons pour que je me casse d'ici. Allez. Allons-y, on se barre. On se barre, j'en ai marre. Non, j'ai dit ça suffit. Polita, j'en vois beaucoup trop. Putain, mais attends, mais j'ai pas la poupée qui est censée me faire fuir systématiquement. Mais cette poupée, elle marche pas en fait. Ça ne marche pas, dans aucun jeu ça ne marche. C'est bien marqué, vous pouvez fuir les combats. Ah non. Oh, l'arrière-plan, merde, mais on voit tout! J'ai les deux pires Pokémon pour cette situation. Caresser, mais j'ai rien caressé du tout, moi. Quoi, mais on peut les caresser dans le jeu? Étincelle. C'est pas très efficace si j'utilise tranche herbe. Je le fais exprès. Moi, tout l'en fait exprès. Ah. Une super potion. Mais rien à toi. Oh, l'animation des yeux, franchement, c'est horrible. Un Whisty Crab. Ok.
Assurance, ça veut quoi déjà ça, assurance? Bon, on charge votre véhicule. Cette attaque est deux fois plus efficace si elle a déjà été blessée durant ce tour. J'allais faire giga sensu. Rafale psy. Julio le gamin. Allez Julio, casse-toi. Tu m'as fatigué là. Tu m'as fatigué. Racaillou. Papala, 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 papala. J'aurais dû mettre pêche résou. Les molosses ils montent pas beaucoup, ils montent pas très vite hein. C'est magnifique. Capsule muscle. Pas besoin moi. Jennifer veut se battre. Oula. Choc. Bye bye Jennifer. Cédric le Montagnard va se battre. Il envoie un racaillou.
Arcomir. Merde, voici, je vais changer. Oh, mais c'est super efficace! Eh, parce qu'il est de type psy. Archiomir. Allez. En avant vers la ville de Jadiel. Alors rencontrer... Merde, un Pokémon. Détruis-le, Mascara! Oh putain, là... Non, il a fermeté. C'est pour ça qu'il est toujours vivant! Mais qu'est-ce que c'est? Une théorie voudrait que le mont couronné soit à l'origine de la région de Sinnoh. Dans un monde nouveau, un monde où seul le temps s'écoulait et l'espace s'étendait, le confin n'aurait jamais dû exister. Le conflit, merde! Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monde? Le conflit s'est répandu. Je ne parle pas des combats de Pokémon, mais des conflits, de l'âme, des émotions. Les êtres humains sont faibles et imparfaits. Mais ils mettent le monde en péril en laissant leurs émotions prendre le dessus. Je trouve cette situation tout à fait déplorable. Oh, il m'a volé mon nez. Allez. La route est 208. Allez, Ryu, le grand maître du karaté. Tensui, le karatéka. Oh! Le coup, car ici, mais... Merde, c'était pas très efficace parce que c'était le type de Pokémon. Il m'a choqué à la trouille. Ah ah! Je passe sous un nuage où je suis tout à fait sombre. Laissez-moi passer. Tu es encore si jeune. Oula, 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 oula. Attention, n'allez pas dans le chalet. Hein. Désirer le montagnard va se battre. Non. Il envoie Rakayu. Le Pokémon Fist. Merde. Transferme. Ah, pas chier, ils viennent monter de niveau. Boulelec, oh! Ça fait une... L'ancien envoie une boule d'électricité. Si sa vitesse est plus rapide que celle de l'ennemi, les dégâts augmentent en... Ouais. On va enlever Météor. Caillou. Da 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 da. Par contre, c'est le même décor que... Bon, il y a les beaux décors, mais ils sont pas non plus variés. Hein. Il apprend soin. Eh ben, si je me fais battre par plus jeune que moi...
à quoi ça sert d'avoir tout ça? Si je gagne, je voudrais bien me donner quelque chose à manger. Bah, j'ai des ormulus, si ça te plaît. Raoul le montagnard, il envoie un onyx. Fantastique. Qu'est-ce qu'il a, Boscara, là? Tu fais chier, là? Oh, elle avait fermeté. Malédiction. Comme dit Licton, pas d'abra, pas de cadabra. Ok, d'accord. Tiens, mange une baie. Vous trouvez une Pokéball. Maître des baies. Oh bah attends, d'abord je vais sauvegarder moi. Ah oh, mais je crois qu'il y a Alexis au bout. Quand on me dit Union Police, je réponds tout de go. Super chaud concours. Ok. Il a inscrit à mon Pokéball chéri. D'accord, si tu veux. Non, Alexis, non! Oh non! L'appareil. Ah non. Oh, heureusement que tu étais là. Sans toi, mon appareil se serait enfui. Allez, petit appareil, rentre dans ta Pokéball, s'il te plaît. Oh non, putain! Mais il n'y a même pas d'animation! Je m'appelle Karine, je suis l'un des juges du super concours. Super chaud concours. Passe à la salle de concours, je te remercierai comme il se doit. Oh là 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 là, là putain. Eh, le tiers-monde réclame. Oh. Je viens de la région de Hoenn. Je suis venu visiter la ville, je voulais me rendre à la salle concours, mais je me suis perdu. Heureusement, les gens du coin ont eu la gentillesse de m'indiquer le chemin. C'est fou, comme s'ils sont gentils et généreux avec ces inconnus. Bref, peux-tu que je te guise à la salle des concours? Non, mais je veux que tu me donnes ta canne à pêche. Fine. Soignez-moi! Comment ça va, Pokémon? Non, moi, je me suis fait blesser! J'ai pris un coup de couteau! Ok, à bientôt! Mais d'ailleurs, l'arène, elle est fermée en fait dans cette ville à l'heure actuelle. Bon, attendez. D'abord, on va finir ce qu'on a commencé. Allez, montre-moi ton plus beau colorior. Peignons un tableau. Ok. Putain, c'est fondu bizarre, là. C'est quoi ce truc horrible, quoi? Achille l'artiste veut se battre. Il envoie Mime Junior. Ah! Torte Boscara, dévore-le! Bois son sang! Bien. Manzai, t'es proche? Magnifique, je sens c'est de mon inspiration mais animé. Pas de soucis. Merde. Pas dans les hautes herbes. T'as une culotte partout ou quoi dans cette région? Il voulait qu'on l'aime quand même, ce bidouf. Donc de peau, il a l'Alias. Ça l'Alias est pas sur Diamant Perle.
Parle-moi, toi. Oh non, merde. Une aromatie pâteuse, là. Ah, Petrilli. Je suis beaucoup trop fort pour ce jeu. J'ai défoncé tous les Pokémon. J'ai niveau 30. Un Roselia. Cornet, bravo. Alors, il y a un peu de Pokéball par là. Je ne dis rien, excepté simplement ceci. La clé de voûte. D'accord. J'accepte. Toi, t'es censé me donner un œuf. De petits ravis. Fan club. Canne à pêche. Merde. Ok, bon, Poképédia a complètement crashé. Mais ceci en gros, une difficulté technique, ouais. Bon, ça a été rendu compte, les gars. Bon, on va trouver. Bonjour, bonjour, je suis le président du Fan Club Pokémon. Et oui, c'est bien moi. Dites-moi ce que tu veux que je trouve autre. Moi je dis sans... oui, allez les peaufines, c'est bon les peaufines, boîte à peaufines. Objet rare, je t'encourage à te remplir de peaufines pour en offrir généreusement à tous tes Pokémon. D'accord. La Sainte Église. Il existe des mots que l'on utilise partout dans le monde, mais que l'on ne saurait complètement. Ouais. Mais c'est quoi ce truc? Voilà. La mi-mosquée, mi-église, mi-cathédrale. Ah, mais si elle est là. Bonjour. Oh, je suis so sorry. Vraiment, je ne sais plus où me mettre. Je compte participer au Super Show concours. Tu vas voir, ça va être fun. Michael Jackson. Il s'avère que Chimera, champion de l'Aventino Police, c'est aussi le pro du Super Show concours. Je sais de quoi je parle parce que c'est moi, Chimera. Eh oui, it's me, Mario. Tu veux me défier, why not? Mais d'abord, tu dois devenir plus forte. Je viens de la région de Galar et on a un accent insupportable. Mais non, les arènes sont toutes aussi pareilles, même texture. J'ai pas soigné mes Pokémon, mais c'est pas grave, ils vont se dire. Alors, contre le type spectre, je ne sais pas, donc on va. Ah bah attends, t'es là toi. Salut, je te réessaye, Zeus. J'imagine que tu es venu défier la championne d'arène. Eh bien, ça m'ennuie de te le dire, mais ça ne va pas être possible. Tu te demandes sûrement pourquoi, la réponse est simple, le championne n'est pas là. On revient une autre fois, d'accord? Je ne bouge pas d'ici.
Elle m'a dit littéralement de venir la voir. Je suis pas chaud au grand coup. Oh yeah, mais... Ah! Ah, te voilà, parfait! Iris, tu vas bien, Fus? Yes, 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 attends. Non, c'est pas possible. Ingrid, mais ta mère, merde, c'est Ingrid? Je ne sais plus du nom. Tu n'as jamais parlé de super choc en cours. Oui, allez, la blablabla, bla, 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 allez. Prends ceci. Je te donne un saut sortilège C. Effet garanti, tu verras. Si tu penses que super choc en cours, tu fais partie du jury. Oh. Oh, sûr que ça devait... Allez. Ça t'étonne de me voir ici? Oui. Allez. Par contre, si tu comptes vraiment participer au Super Chocorn, tu vas devoir changer de tenue. Ok. Tenez, le look chaud concours. Je suis sûr que ça t'ira à merveille. C'est moi qui ai choisi cette tenue après tout. Attends, mais on n'avait pas... On n'avait pas la tenue platine? Ok, c'est un nouveau jour. Allez, continuez. Allez. Attends. Comment on fait pour... Je ne sais pas. Oh, il y a les tableaux. Super choc, les participants de notre discipline. Style danse. Ok. Bonjour, bienvenue à la salle du concours. Si vous suivez bien sûr le super show concours en réseau, vous êtes au bon endroit. Mais non, mais moi je veux pas faire ça, moi. Tu comptes t'inscrire au super show concours? Tu as ta boîte à peaufines? Très bien. Laisse-moi t'offrir de merveilleux peaufines. Vous savez, un peaufine doux. Vous rangez le peaufine dans la boîte à peaufines, ok. Tu comptes présenter. Et petit conseil, avant de te lancer dans le super show, entraîne-toi. Le comptoir de droite propose des séances d'entraînement. Sac. Boîte et puffin. Attends. Boscara, il aime les trucs dégueulasses, je crois. Âpre, acide. Il mange tout. Âpre. J'ai pas des... D'accord. Bon, bienvenue à la salle des concours. Si vous souhaitez participer, je vous souhaite au bon endroit. Oui. Sans froid. Normal. Il a aucune... Ils ont des notes de merde. Lustre? C'est quoi ça veut dire quoi lustre? Alors, attends, question. Sans froid, beauté, grâce, intelligence, robustesse. Normal. Ok, bonne chance. Non mais c'est bon, je suis bien, bon, allez, c'est bon. M'emmerder avec votre look. Hein. Concours de robustesse, ça veut dire quoi ça? Eric et Boscara. Eric, putain, merde, Eric. Didi. Oh là là, ouais, c'est bon, j'arrête. Justine. Et Vital. Il a présenté sa carte au moins, lui.
Oula. J'ai pas le rythme dans la peau. J'en mets plein la vie avec sa méga sangsue. Merde, ok. Oh, c'est quoi ce bordel? Excellent. Putain, on peut pas regarder l'arène alors que c'est stylé, hein? Ok, d'accord, faut les maintenir. Show concours réussi. Ok, les participants vont recevoir des points de réussite pour la belle performance. Rang 1. L'heure est venue de décerner le prix d'excellence. Vital, ok. Niveau normal. J'ai perdu. Ok, ça a chié. Je serais pas concouriste. Alors. Au centre Pokémon, allez. Alors, au Square Plaisir, vous pouvez vous promener avec vos Pokémon mignons. Avec quel Pokémon vous souhaitez vous promener? Bah, pourquoi? Ils sont pas mignons, eux? Bien, vos autres Pokémon peuvent s'aller s'amuser au Square. Ils vous attendront là-bas. Allez-y, amusez-vous. Putain. Pachirzu renifle les odeurs des environs. Bascara a failli tomber. Comment il peut tomber? Il a 4 pattes. Oh, change éclair. Conseil au dresseur, au Square Plaisir, vous pouvez déplacer la caméra du stick droit afin d'observer. Quoi? Mais non. Oh. Ok, la plaque fantôme. Waouh, la next gen! Regardez-moi ça! Cassez-vous. Pièce rune. Oh, le jeu qui est même pas pensé pour ça, quoi, bordel de merde, quoi. C'est si difficile de faire suivre un Pokémon derrière toi en 2021, alors qu'on le faisait il y a 15 ans. Ouais, bon, allez. Vous me fatiguez, hein. Ouais. Ça alors, le Pokémon avec lequel vous vous promenez à l'instant semble avoir encore une rencontre pas. Tais-toi, je vais me barrer d'ici. Bon. Ah, bah à partir de maintenant, il me suit, d'accord. Bon, génial.
Ah, d'accord. Tu sais avoir la championnat? Ah bah elle est vraiment pas là en fait, ouais, c'est bien ce que je me disais. Ok d'accord, eh ben, sur ce mes chers enfants, on va se quitter là. Avec légèreté, ouais. Ok, et on se dit à plus dans le Toy Cébus.